Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis rentrée de New York City. Je suis partie une semaine, enfin 4 jours officiels et 6 jours non officiels en voyage à New York. Voilà, c'était trop bien, j'ai gâché la fin, j'ai passé la moitié de mes vacances là-bas et l'autre moitié à rien faire ou à aller à Disneyland. Donc autant vous dire que j'ai pas trop travaillé, mais quand même j'ai passé des pures vacances et j'ai ramené plein de trucs de New York et surtout plein de trucs que j'aime. J'ai acheté que des trucs que j'adore, donc je suis très contente, j'ai pas fait de mauvais achat. Je fais très peu de haul parce que c'est pas le genre de vidéo que j'aime faire. Moi c'est plus le genre de vidéo qui me plaît vraiment, mais cette fois-ci j'avais vraiment envie de vous montrer mes trouvailles et de vous faire découvrir la joie, de vous faire ressentir la joie que j'ai eue. Ah, si c'est le genre de vidéo qui vous plaît, je vous laisse regarder, sinon je vous laisse prendre la porte de sortie. Bah c'est parti. Premièrement, je suis allée chez Century 21. Donc en gros c'est un magasin qui vend des marques, des grandes marques ou des marques à prix réduit. Donc je vais vous montrer ça. J'ai pris ce kimono là. Donc voilà, c'est un kimono basique. Un truc de youtubeuse de base, mais j'adore ça, je dois vraiment être une youtubeuse de base. Donc voilà, noir avec des fleurs comme ça, vraiment il est trop beau. La marque de base c'est Cotton Candy, il coûtait 64$ et je l'ai payé 25$. Donc voilà, je me la suis touchée, mais alors grave. Ensuite j'ai pris un short, donc je sais pas, j'avais envie de short d'été. Alors j'ai un peu craqué sur ce truc là, mais franchement je pense que je vais grave le squatter parce que c'est le genre de truc que je porte tout le temps en été. Donc un short comme ça, et donc il y a des petites bouboules en bas. Et il est bien élastique et tout, donc il va être grave confortable pour cet été. Je l'ai payé 25$ à la place de 64 lui aussi. Donc par contre je sais pas qui mettrait 64$ là dedans, mais il faut vraiment être blindé aux as. Et enfin pour venir chez Century 21, je me suis pris une housse de Mac, enfin d'ordi Marc Jacob. Pour la petite histoire, j'avais vu une photo de Blake Lively dans Public il y a genre un an avec une coque d'iPad Marc Jacobs, et il disait genre Blake ne se refuse rien. Et donc moi vu que je suis fan en plus de Blake Lively, j'étais là putain je veux trop la même truc, c'est trop beau, elle est parfaite, elle est riche et tout, elle peut se payer des trucs comme ça. Et je suis arrivée là-bas et j'ai vu ça, donc c'est exactement la même coque mais en format Mac. Et je l'ai payé donc 35$ à la place de 62. Donc ça coûte que 62$ quand même. Enfin c'est quand même un prix pour une housse d'ordi, mais c'est quand même du Marc Jacobs et donc Blake Lively n'est pas tellement blindé, faut arrêter. Et ensuite pour terminer dans les sapes, parce que oui j'ai vraiment pas beaucoup acheté de sapes, je suis allée chez Forever 21. Donc j'ai acheté des trucs pour mon frère, je sais pas pourquoi. Et j'ai pris un pantalon, je marchais dans New York au Cavalme et je me suis baissée pour regarder dans un rayon ou je sais pas quoi. Et mon jean Zara que je squatte toute la vie s'est bien simplement déchiré. Donc voilà, au niveau de la cuisse j'ai une belle déchirure. Là voilà, je dois être trop grosse, je sais pas, faut que j'arrête de bouffer du McDo. J'ai vu beaucoup de pantalons un peu carottes, noirs, un peu des pantalons costard mais portés pas en mode costard. Et j'en ai trouvé un chez Forever 21, donc j'étais trop contente. Donc voilà, c'est très simple, c'était des pantalons comme ça avec le bas un peu resserré en noir taille haute. Alors lui aussi j'ai fait une affaire de ouf, il coûtait 24$. Et à la caisse, la caissière, je sais pas, elle devait être fatiguée, c'était en fin de journée, et elle me l'a fait payer 16$. Donc voilà. Ok. Ensuite, je suis évidemment allée chez Urban Outfitters. Donc ça m'a fait trop plaisir de voir un magasin Urban Outfitters. Moi, je squatte le site, mais je suis jamais allée en magasin. Et voilà, le magasin était sublime. J'ai pas pu vous filmer d'ailleurs, le vlog de New York arrive bientôt, mais j'ai pas pu filmer l'intérieur. Mais il y avait vraiment des trucs sublimes, donc c'est un peu cher mais normal. Et voilà, il y avait des trucs sublimes, et quand je dis que c'est un peu cher, c'est que c'est un peu cher. Puisqu'en fait, j'avais trouvé ce chapeau là, que je trouvais trop trop beau, je l'ai essayé, ma mère elle m'a dit « Waouh, il va trop bien, prends le machin ». Et il coûtait 40$, donc je me suis dit 40$, bien que ce soit de la laine, machin, une marque au top... qui soit magnifique et tout, je me disais 40$ c'est un peu de la touche pour un chapeau que je vais porter en soirée et encore. Et puis je suis allée au rayon coque parce que je cherchais une coque d'iPhone et je suis tombée sur cette coque là. Donc je vais vous mettre un close-up par ici. Et donc je l'ai trouvée sublime, j'en voulais une et je me suis dit putain il me la faut. Et elle aussi coûtait 40$. Et alors moi qui ne voulais pas mettre 40$ dans un chapeau, je me suis dit bah, je vais mettre 80$ dans une coque et un chapeau. Pas de soucis, j'y vais. Donc je suis allée à la caisse, pleine de motivation. Et en fait, nouvelle touche pour Anna, la vendeuse m'a fait payer tout ça 50$ à la place de 80. Ok. Donc du coup tout va bien. Et voilà, merci Urban Outfitters. Alors là on passe au niveau beauté.
Je suis allée chez Bath & Body Works, donc c'était juste indispensable. Donc il faut savoir que moi j'étais sur Brooklyn, j'avais un appart à Brooklyn, et il y avait un mall pas loin de mon appart, vraiment pas loin, où il y avait Victoria's Secret, Bath & Body Works, MAC, il y avait tout. Et donc du coup je suis allée au magasin B&B le dernier jour, le dernier soir, je partais le lendemain matin à 9h, le soir j'y étais. J'ai raté à ça de près. J'ai un peu craqué là-bas aussi, hein, putain j'ai un peu trop craqué là. Étonnamment Bath & Body Works c'était vraiment pas donné. Je m'attendais à des tarifs un peu plus abordables quand même, parce que j'ai acheté des trucs quand même, mais pas tant que ça, et je suis arrivée haut quand même, je crois que j'ai payé 80$ en tout. Alors il y avait plein d'offres en fait, les américains ils adorent ça, faire des trucs genre 3 pour le prix de 2, un offert, un acheté, un offert, voilà, ils aiment trop faire des offres comme ça, donc moi évidemment je saute dans le piège. Donc j'ai pris une bougie comme ça, c'est pas, enfin c'est pas les moins chers mais presque. Parce que les grosses me tentaient trop, mais bon, j'avais pas les moyens. J'avais la place en plus, mais pas les moyens. Donc j'ai pris le parfum Watermelon Lemonade, qui sent la vie, vraiment pour le printemps ça va être top. Et elle coûte 12,50$, donc ça va pour des bougies, c'est correct. J'ai pris des petits gels désinfectants pour les mains, j'en ai pris 2 pour mes copines et 3 pour moi. 5$ les 5, et donc du coup, voilà, j'étais bien contente. J'ai pris Watermelon Lemonade, Maui Mango et Pineapple Punch. J'ai eu de la chance, je suis arrivée pile pour la collection, la nouvelle collection de printemps-été. Il y avait des promos sur les petits trucs comme ça là. C'était je crois attends, il n'y en manque pas un, non? C'était ouais 3 pour le prix de 2. Donc j'ai pris 2 body lotion. J'ai pris la Endless Weekend et la Mango Surf. Donc voilà, c'est des petits formats comme ça pour le voyage ou même pour chez moi pour tester, ça va être cool. Et j'ai pris un gel douche aux fruits de la passion, donc les packaging sont juste canon. Donc au final j'ai payé 10$ pour 3. J'ai pris aussi donc 3 trucs comme ça, c'était aussi 3 pour le prix de 2. Une body lotion au lead flower, donc ça sent juste trop bon, c'est de la gamme ouais oh putain, d'été quoi, bref. Et donc voilà, une crème pour le corps, donc parfum Paris Amour, parce que Sana de la chaîne Sanana's Interne de Rosie en parlait souvent, je crois, j'avais vu son haul. Et c'est vrai que ça sent vraiment trop trop bon. Et enfin j'ai pris encore une lotion à la pêche, donc la saveur Peach and Sweet Tea. Et ça sent trop bon, vraiment ils sont très très forts sur les packaging, parce que t'as envie de tout acheter, c'est super joli. Ah oui, chez Whole Food Market j'ai acheté un truc comme ça, donc c'est une mason jar. C'est les trucs que les youtubeuses font, les youtubeuses américaines utilisent quand elles font leur smoothie et tout. Elles mettent ça là-dedans, c'est exactement ce genre de pot, donc j'étais trop contente. Et je l'ai payé 2$, donc vraiment ça vaut rien. J'ai fait des achats donc chez Target et chez CVS, des achats make-up. J'ai pris un baume EOS, parce que c'est juste, j'en rêve depuis des années. Je vois Bethany Mota qui s'en met tous les jours de la vie et ça me fait trop envie. Donc j'ai pris la saveur Sweet Mint. C'est un turquoise comme ça, trop beau. Et alors ça, je l'ai payé, je crois, un truc genre 3-4$. Toujours chez CVS. J'ai trouvé donc les vernis ici à 8,95€. C'est le vernis que je porte actuellement. Donc ça, c'est la teinte Give Me... Non, Butter Please. Et c'est vraiment une couleur que j'aime trop, trop, trop. Et les vernis ici en France, je sais pas exactement combien ils coûtent, mais plus cher que 8,95€. Un après-shampoing de chez aussi, donc les 3 Minute Miracles, qu'on a déjà en France. Mais on n'a pas ces versions là, on a des versions blanches. Et on m'avait dit que les versions anglophones étaient beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai pris celui pour réparer les cheveux, pour les rendre plus forts. Et je vous dirai ce que j'en pense, si je vois une différence ou non. J'ai pris un baume à lèvres de chez Burt's Bees, parce que c'est mes baumes à lèvres préférés. Et j'ai pris donc celui à la mangue, qui coûtait, alors là les prix je peux pas vous les dire, je m'en souviens pas honnêtement. J'ai plus de tickets de caisse en plus. J'ai pris un mascara CoverGirl parce qu'ils sont réputés pour être, enfin ils étaient réputés pour être très bien. Et parce que dans Top Model USA ils font des partenariats avec CoverGirl tout le temps, donc ça me donnait trop envie. J'ai pris le Lash Blast, donc la base. Et en fait j'en entends plus parler en mal qu'avant, mais j'ai hâte de voir, de le tester pour voir ce que moi j'en pense. J'ai pris un vernis Sinful Color parce qu'en France je les adore, et là-bas ils coûtaient 2 ou 3 dollars je crois. Ça vaut vraiment rien et ils sont super bien. Donc c'est le teint de corail pour le printemps, ça va être top. Je voulais absolument ramener un truc NYX, je voulais leur gloss mat, et j'en ai pas trouvé, donc j'ai pris, enfin il n'y avait pas la teinte que je voulais, donc j'ai pris un butter gloss, une teinte nude comme ça, c'est très joli, je porte ça pour aller en cours ou quoi, c'est un truc qui se porte très facilement, et c'est la teinte 7, le meilleur pour la fin. Donc j'ai acheté surtout des baumes corporels, c'est le seul truc qui m'intéressait, les sous-vêtements et tout, j'ai acheté une culotte mais je vais pas vous la montrer. Donc j'en ai pris 5, mais j'en ai offert une à ma meilleure amie. Et voilà les 4 roses, je suis trop contente. Donc j'étais, le prix c'était 5 pour 30$. Donc franchement ça va, ça vaut pas grand chose et c'est vraiment réputé
dans le monde entier. Donc j'ai pris Mango Temptation, j'ai pris la Surfside, c'est une édition limitée, c'est une nouvelle, et pour l'été je me disais que ça allait être trop bien. La Coconut Passion, donc c'est Vanille Noce Coco, c'est celle que je porte là, ça sent trop bon. Et j'ai pris la Pure Séduction qui est plus une saveur, une odeur pour les soirées et tout, et enfin plus forte quoi, et j'adore. J'ai le nez bouché mais j'adore quand même. Et c'est tout ce que j'ai acheté donc à dans New York, enfin à New York. Et je voulais vous montrer aussi un truc que j'ai reçu, donc j'ai reçu un colis de British and Beautiful. Je voulais vous montrer dans ce haul là parce que ça rentre à peu près dans la catégorie produits étrangers, produits anglophones. Donc Mylène qui est trop gentille m'a envoyé des produits à tester. Je vais vous les montrer vite fait, comme ça je vous verrai, je vous donnerai après mon avis et tout, j'ai trop hâte de les tester. Le gommage de chez Treacle Moon, celui à la noix de coco. Donc déjà ils sont trop bons et j'ai hâte de... Il est déjà cassé par contre. Et j'ai trop hâte de le tester, j'adore ces odeurs là. Mon gommage scentif, donc cette fois-ci j'ai pris celui pour les peaux à problème et les peaux grasses. J'avais celui pour toutes les peaux et j'étais juste fana, c'est vraiment les meilleurs gommages du monde. Et enfin deux produits de chez Soap & Glory, une crème pour les pieds, donc c'est le Heels Genius. Et une crème pour le corps, donc de la gamme... je sais pas, c'est la The Righteous Butter, c'est la gamme de mon gommage en fait de l'été dernier. Et l'odeur, j'aime trop, putain j'aime trop. Les produits Soap & Glory, c'est juste la vie, je suis fan. Donc j'ai hâte de tester, de vous dire mon avis et tout, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez quelques questions, dites-moi tout en commentaire. Je pense à vous faire prochainement une vidéo, mon avis, enfin une vidéo sur mon voyage à New York. Un vlog genre de vous raconter un peu ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, où je suis allée, mes conseils, mais ce que je vous conseille pas de faire, ce que je vous conseille de manger, de pas manger. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait, je pense que c'est une vidéo sympa à regarder même si vous ne comptez pas aller à New York dans les prochaines semaines. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !